nous gagnons tout et bon intervenant yo débat yo continue à faire toujours chaque intervenant continue à venir pour faire rendez-vous yo et commencer parler continuer parler tout donc c'est des sujets d'actualité internationale. Hier c'était tout par le président Joe Biden qui était prendre la parole côté que il était décidé en fait d'utiliser un pont passer un discours pour parler de l'Ukraine et parler de Vladimir Poutine tout qui envahit un voisin du membre conseil de sécurité des Nations qui envahit l'Ukraine il parlait tout de ouverture possibilité pour que augmenter membre quantité membre conseil de sécurité à peut-être là dans le pays africain Amérique latine et même Caraïbes donc c'est monde qui habite supporter donc dit timer augmenter donc États-Unis et force à États-Unis en tête li pour essayer d'augmenter non là pour passer de 5 et pour arriver à un chiffre que c'est certainement bien plus déterminé et dans discours président Joe Biden tout il était porté support il était parlé de Haïti il dit que nous même nous camper avec Haïti bon côté Haïti pour supporter pendant que demander et gang yo pour yo et pendant que demander gang yo pour yo et suspendre faire violence et en Haïti et puis qu'il y a une guerre en Ukraine que président Vladimir Zelensky tout qui était pas la parole tout mettez pas la parole via vidéo et visioconférence et là dans l'humanité dit que la Ukraine et il a attaqué l'Ukraine et qu'elle demande justice et elle demande pour que gagner et on punition qui fait sous pays monde qui a agressé l'Ukraine donc on dit qu'il y a parlé certainement la parler de la Russie. Haïti situation pas changé vraiment et concernant des grands réunions hier et sous dossier Haïti a c'est premier ministre canadien Justin Trudeau qui était organisé rencontre ça sur Haïti c'est un rencontre haut niveau qui a participation pays CARICOM là dans ligne avec l'autre pays tant que les États-Unis qui prend partout qui a Brian Nichols qui était participé dans rencontre ça et là dans les conclusions pratiquement dans rencontre là c'est que et demande Canada et bien ça a demandé pour que yo aider haïtien résoudre jouer une solution avec crise politique que pays a traversé là et en parlant de crise on connaît qu'actuellement des négociations qu'on négociation qui a déroulé qui pas clair exactement gain fuite et en fait gain un participant qui censé faire des déclarations pour dire qui point mais ces garçons pour gain d'accord au gouvernement et un gouvernement élargi avec un comité de transition de haut niveau qui ont même pas le travail tout mais et pas le travail tout pour résoudre ça en fait comité ça pratiquement a gagné une période de 20 mois et 20 à 24 mois pour que yo résoudre tout ça pour faire mettre en place un conseil électoral provisoire compléter cour cassation pour que le conseil électoral capable prêter serment ensuite organiser les élections pour que d'ici 20 ou 24 mois institution démocratique capable reprendre dans le pays là pratiquement c'est ça mais pour qu'on finisse gain une déclaration finale entre participants yo gain groupe qui n'est pas content et par exemple dans groupe qui gain accord qui défait déjà gain un dans qui pas trop d'accord parce que par exemple accord Montana déjà lui-même il a pris des dispositions lui-même il a organisé une élection deuxième degré pour que le même président avec un premier ministre qui au même temps va le dire j'ai fait pays mais il t'a semblé à quoi ça qu'a parlé là il t'a semblé que à question Montana il est pas là dans il est pas là dans donc ça veut dire que ni et économiste Alphonse Jean et ni premier ministre et Steven Benoît et bien que pas dans plan ça mais même là que Montana a toujours fait partie à quoi il a dit qu'il a parlé que groupe ça parlait c'est l'opposition que sénateur Lambert a fait que c'est président sénat a fait pour que tu aies une crise d'idée bon délai 48 heures bon puis mon critique sénateur Lambert pour délai 48 heures que bala que déjà ça fait nous déjà traversé 72 heures déjà et il y a beaucoup sorti jusqu'à présent mais c'est hier seulement que n'a pas point que négociation ça continue toujours mais les déclarations qui fait assemblée que sénateur Lambert lui-même dit qu'il pas aucun intérêt et il pas défendre aucune position dans ça qu'a fait là et puis gagner tout non tapatula non c'est dans Tijuana au Mexique haïtien yo marqué une année depuis événement del Rio les groupes immigrants presque plusieurs milliers immigrants et plus de 10 000 t'es massé en bas pont del Rio au Texas
côté et tu as fait des efforts pour te demander asile aux États-Unis, nous connaissons ce qui est passé, des grands paquets et scandales, bah, ça te met les États-Unis dans une mauvaise position sur le plan international, les nouvelles apprennent la rue, monter tout le monde, ça y est, et il y a des gens qui sont forcés à retourner au Mexique, tout comme des gens qui ont un petit point, qui ont été entrés, mais en principe, ils ont été déportés en pile parmi les gens qui ont demandé asile là aux États-Unis, et bien dans Tijuana, immigrants ici ont marqué l'année ça. Parallèlement avec ça, dans Washington, il y a un autre événement encore qui commence depuis lundi. Ce événement, il y a une sorte de jubilé, lui-même qui commence depuis lundi et qui a fini vendredi. Donc, lui-même là, dans le une manifestation même qui fait devant la Maison Blanche, là, dans le Ligue, il y a un Joseph, responsable. Et Hichin Bilal qui était pas la parole, était ancien envoyé spécial à Haïti, États-Unis pour Haïti, et ambassadeur Daniel Foot, ben il a tout été pris la parole, plus l'autre monde, l'autre intervenant encore qui était pris la parole dans ces circonstances-là, et qui était exprimé pour demander aux États-Unis pour que les traités immigrants d'une autre façon. Et donc, il était vrai que ça qui était passé en bas pont de Rio n'a pas répété encore aux États-Unis. Pendant ce temps, sous frontière, il y a des gens qui sont toujours là, toujours, des milliers, quatre tonnes, et possibilités pour rentrer et venir aux États-Unis. Mais nous rappelons que jusqu'à présent, Ticane, deux actions, loi sanitaire, malgré CDC dit que lui-même, il n'a pas aucun impact aux États-Unis si au campel. Mais l'administration toujours qui est en vigueur, donc ça veut dire techniquement qu'on a toujours fermé, donc immigrants pas rentrer, ils demandent asile aux États-Unis. Parallèlement à ça, c'est un petit programme que responsable de jeunes avec le groupe militant qui a défendu les immigrants. Et bien, eux-mêmes, t'es un des autres qui passaient dans la zone, et t'es un des autres qui étaient passés, il y a des gens qui étaient inscrits, il y a des gens qui ont fait des ordres, il y a des gens qui ont eu bataille, ils étaient venus passer, plutôt, alors que pour entrer, pour te venir faire une demande d'asile, c'est un petit groupe qu'on a sélectionné chaque jour, mais pour te venir faire une demande là, il faut te inscrit dans une organisation. Et bien, il n'y a pas même inscrit dans l'organisation, ou qui est inscrit dans l'organisation, mais qui parle de temps que il y a et qui est venu sur le frontière, il y a des ordres. Donc, et CBP, c'est Custom Border Patrol, tu es campé programme, tu es suspendu le programme, ça, et provisoirement dans trois ports. D'abord dans Tijuana, ensuite dans Reynosa, avec Nuevo Laredo, et donc, Rinosa avec Tijuana, c'était pour raison de discipline, etc. Dans le niveau là, il t'a semblé qu'il y a des gangs qui ont commencé à entrer dans la cause à connecter l'argent dans le monde pour faire entrer, alors que normalement, son programme est gratuit. Et dernièrement là, donc à partir de mardi dernier, et responsable CBP a commencé à accepter les immigrants qui sortent dans. Qui sortit par exemple, ils vont seuls dans trois ports d'entrée, ils fermés pour les immigrants, mais ils vont seuls, c'est ça qui est dans Reynosa et ils étaient ouverts seulement. Donc, il y a deux autres ports qui semblent toujours fermés, n'a pas de et Nuevo Laredo avec Tijuana. Donc, nous disons que les immigrants étaient marqués une année. Ça, et célébration, ça a été déroulé dans Tijuana. On a venu avec un reportage pour Pita dans le programme. Encore, on a retourné à New York, nous avons un collaborateur, Jacques Mbélisé avec Valérie Saint-Louis. Il a même couvert la 77e Assemblée Générale Organisation Internationale. Là, il a même préparé pour nos reportages pour dire ce qui a passé et ce qui vient dans la journée jeudi. Mais nous rappelons qu'officiellement, pour les ministres haïtiens jusqu'à hier, et les ministres affaires étrangères haïtiens ont confirmé que le pape vient, et c'est les ministres affaires étrangères haïtiens qui ont bien pour prendre la parole dans le nom Haïti, et la parole ça, l'a fait vendredi. Donc c'est vendredi, Haïti a pris la parole, très certainement, côté parle, et parler de situation mondiale, et même situation interne, pays à et la période de situation nationale avec gang qui occupe plus fort territoire pays et qui est fort fait pour que normalement il y ait des quoi gang pour permettre pour et préparer terrain pour que l'élection capable de dérouler. Donc et mais ça fait un dans l'interview que t'es pas la voix de la vérité, même dit que il était exposé tout ça et que communauté nationale la courant et même qu'on est monio qui censé à financer des audios tout bas ça et que il y a des sanctions même qui capable prendre contre monde ça et que parfois là dans il y a monde qui sévère pas même habitant haïti mais qui habite de l'autre côté et qui ont même à financer activité gang dans le pays d'Haïti pour permettre que manifestations faites des autres faites pour empêcher que pas une que le gouvernement ça va qu'on tenter décider que le pape subventionner gazoline encore et il dit que groupe qui a intérêt à faire les lettres à
subvention de gasoline, c'est eux-mêmes qui crampent, c'est crampé, qui compte contre l'IDEA. Donc, le ministre de l'Étranger, là, il était opiné sur question ça, et il dit que la communauté internationale, là, en particulier les États-Unis, au courant de situation, et il t'a semblé, il t'a même identifié, et monde, ou bien individu, qui t'a mêlé dans l'activité ça, oui. Président Dominique a été pour prendre la parole tout devant les Nations Unies. Mais nous connaissons pas par rapport avec l'ouragan qui se frappe la République Dominicaine. Et bien, c'est ministre des Affaires étrangères là. Et ministre des Affaires étrangères dominicain, c'est lui qui a pris la parole dans le nom de la République Dominicaine. Et dans le discours, il dit même bagarre là, il dit que c'est quoi que c'est Haïti. Contrairement avec le président dominicain, il dit même toujours. À l'avant-garde de la pandémie communautaire internationale, puis venir pour aider Haïti parce que Haïti représente une menace pour le pays. C'est une déclaration que j'ai fait devant l'OEA dernièrement. Eh bien, mais ça fait un jour, même dit que la crise Haïti a été quoi jusqu'à présent, même si Haïti a une assistance internationale, il faut que c'est Haïtien eux-mêmes qui pour mettre ensemble pour résoudre la crise à gain, tout la Dominique, tout, qui font plaidoyer tout pour Haïti. Ça, c'est une occasion et président Commonwealth. Et la Dominicaine lui-même qui était devant les Nations Unies, bien enfin, elle t'a parlé, elle t'a fait historique de difficultés Haïti à traverser depuis le tremblement de terre là. Et justement, elle parlait d'affaires de gang et tout. Ça, il lançait même appel là tout pour demander communauté et marché commun Caraïbes. Là, on a parlé de CARICOM pour que l'autre pays international, pays en Haïti, pour que eux-mêmes tout côté coller tout pour aider Haïti sortir dans une grande crise après une crise que même les États-Unis tout dans ça appelle tout pour lui parler de questions ça et pour demander pour que bon bagage qui pour faire ça c'est même dans le discours président Biden de faire Haïti nous capable demander pour que la communauté internationale fasse même avec eux pour aider Haïti sortir dans la crise que la traversée puis sur le plan local carburant toujours gouvernement fait qu'on ait gain assez carburant qui est disponible compagnie qui fait commande, mais le problème là, c'est que le camion n'est pas capable d'entrer dans la centrale de distribution pour y aller chercher pour dire pas de situation dans la zone barre, parce que l'État semble que les que mon pas identifié ta fouille un gros canal qui empêchait donc toute machine qui a essayé de passer là, et bien machine là, tombé dans le trou, elle n'est pas casse aussi. Donc ça veut dire que tout chauffeur rampé en ligne, il y a tant. Et tes tentatives qui semblent être faites pour te permettre que Yotal bouche out là, mais il y a un chef grand armé qui dit même dit par sa pièce et que par une machine qui vient chercher là. Donc autant de questions que alors que le premier ministre a dit que Gaza est disponible, nous besoin pour des Gaza non pour pas essentiel, mais maintenant il faut débarricader out là, et c'est tout fatra tout bas nous mettre dans là pour être que Gaza arrive, n'a pas que le gouvernement baisser Gaza et augmenter, doubler ou même tripler prix produit pétrolier. Et alors, comparé avec le marché parallèle là, mais gaz a toujours à vendre à un prix exorbitant, à un prix trois ou quatre fois la valeur que ça, le gouvernement projeté a, parce que justement, pompe gaz n'est pas un gaz. Et personne ne peut connaître côté mon jeune gaz, mais il y a un gaz qui est dans l'arrière qui a vendu sur le marché parallèle là. Alors, ce que le gouvernement dit que gaz a baissé, il y a un gaz disponible, mais pompe en principe pas gain, et sans compter des autres qui gagnent, côté mon mette différent dans pompe et la police fait nettoyage, la police a fait nettoyage, mon y aurait mis des bails encore dans la rien encore. Et ça, exactement, il vient dans la ville province surtout, et etc. Dans la ville locale, et nous allons apporter un paquet de monde, passagers, monde qui est bloqué, c'est monde qui était venu faire vacances, et qui était certainement dans la zone sud là, et qui était prend un avion pour aller au CAI, comme ça, il était capable de partir au CAI, il était capable d'aller à la famille, et bien, monde s'est bloqué à cause de vol, on s'est dit vol annulé, qu'on y a plus de monde qui était, et pas grâce à vol. Qui pour ta pas venir prendre mon yo pour ta venir prendre mon yo pour mener votre pour que mon yo capable retourner aux États-Unis au Canada ou bien l'autre côté au sorti après retourner travailler c'est mon qui peut-être te prend congé mais mon ça va bloquer et c'est groupe mon ça arrêté ici en station radio pour lancer appel et mandé et grand ami mes amis l'ouvrir route là pour nous pour nous passer par là pour nous retourner et pour nous arriver pas trop près pour prendre avion pour aller à la caille. Donc c'est quoi la situation hier, mais jusqu'à présent et des côtés qui communiquaient avec capital là, mais des côtés tout pas départ aussi facile parce que barricade toujours existé surtout dans ville province, dans quelques villes provinces qui relient à capital là. Côté négamé continue à demander départ et premier ministre Ariel Henry qui lui-même tout
pour qu'on y aille pas réagir. Seulement ça que je dis, il m'a dit pour qu'un dialogue, pour que tout le monde soit ensemble, puisse parler, et puis résoudre la crise là. En parlant de crise, nous disons que nos comités qui travaillent actuellement, qui est en train de deux groupes parallèles qui travaillent, soit fait dialogue, ça a permis de parler, et ça, tout sénateur Lambert est présenté à tout, qui travaille et au niveau très avancé. Pour aboutir à un sénat. Puis, dans Jérémy, tout est une grosse manifestation mentale, même quand un sénateur a des boulons, a des choses qui sont sénateurs. Et puis, mon gars continue, pillage continue à faire encore. Côté qui gagne bagaille, côté qui gagne bagaille, mon pas bagaille, pillage continue à faire toujours. Et alors, manifestation, il y a mon qui a manifesté contre le gouvernement, mais il y a mon qui est filtré manifestation, en tout qui, même, c'est pas ça à faire, au même, c'est aller piller quand mon, on va avec le gouvernement condamné. Et plusieurs autres secteurs condamnés, je dis, c'est vrai, faites des revendications, non, mais pas le pire qu'à monde, pas le voler, pas le monde, pas craser qu'à monde, pas mettre du feu qu'à monde. Parce que nous, quand on a un cagon, on a un caille, mais nous parlons combien tant dit pas mon pour le bâtiment ça. Par exemple, bien sénatrice Edmond Supplice Bozil, que nèg foule à la cali au pied car là mettez différents cas etc et une déclaration qu'elle fait dit qu'elle gagne 20 ans la bâtisse là car la pour y en finir donc c'est pas riche les riches donc voilà c'est parmi une non multi victime au moins qui connu et qui au moins parlé de ça et sous question ça. Voilà mes amis, moi même pas prêter top non parce que nous connaît Cavalier Paul Camio et Jacqueline Belize avec Valérie Saint-Louis pas là. Donc surtout Jacqueline qui normalement en base là avec moi Washington n'est pas là et c'est moi qui censé préparer le choix. Nous connaît que nous raté nous là pendant deux jours là nous pas gagné troisième mi-temps, raison de comprendre parce que et circuit New York là son circuit qui est très difficile. Et par rapport avec techniquement Jean-Fred d'utiliser ou bien appareil Fred d'utiliser pour le faire programme basé au besoin internet à haut débit et qui pas bon ratement et ben malgré tout effort que nous t'ai fait lundi et nous avons un problème signal nous commencer font bagarre li mordé li commencer mordé le cramper et il y a encore monsieur voyager me dit sorti dans Manhattan pour monter New York à l'ambio là-bas de l'Amérique là pour y faire bah là mais blocus parce que l'OTAN des Nations Unies a organisé assemblée générale ben New York Manhattan sont côté qui très occupé et plutôt à la pied quand on va aller à l'école prend un taxi parce que taxi a pas plus tard bon et plus je suis dans un taxi c'est plus taxi à faut payer dit pas chauffeur taxi va bon avoir plus je suis là et plus payer donc monsieur fait un peu l'effort mais nous jusqu'à présent on est pas mordé et les invités aura je dis parce que gain eux même tout gain bail pas tout gain et dit que mais nous était quatre toujours en troisième mi-temps et j'en que n'a habitué faire quand était qu'à bord plus information parce que monsieur en New York là non pile information là mais que tu as partagé avec nous que nous connaît que nous même tout n'a pas tant tout information ça bon je dis encore nous ca essayer faire une tentative et nous pas garanti n'est pas garanti mais nous ca touriste n'a pas essayer faire une autre tentative pour nous si à l'avancer pour faire émission troisième mi-temps au besoin internet à haut débit et qui est capable de supporter et environnement côté nous et seulement deux ou trois monde capable de supporter ce que on y a c'est impossible et puis qui nouvellement ban nous on m'a pas un petit peu de ça qui a passé nous connaît que là aussi dit là mobiliser près de 300 000 soldats réservistes pour livrer à la bataille en Ukraine les États-Unis disent c'est son signe de faiblesse et que la Russie et président et Russie a dit à dire lui-même les et l'appliquer tout moyen qui est à la disposition pour protéger territoire intégrité territoriale et puis population à tout s'il faut que les armes nucléaires l'appliquer les États-Unis te répondent pour te dire attention réfléchis bien sur Abdia pas même réfléchir pas même penser à faire qu'affaire les armes nucléaires parler à là. Donc mais monsieur te dit président Poutine te dit c'est pas bluff il pas bluffé lui-même dit sérieux dans ça dit alors donc veille ça n'a dit lui-même dit il sérieux lui-même et donc président Biden lui-même dans discours là il te font bosser sur question ça tout pour te parler de sujet ça donc voilà et président Volodymyr Zelensky n'a pas qui t'a parlé dans la société lui-même tout il te prend botte président et Poutine tout et lui-même demande lui-même proposer un plan
un plan même qui vient pour débarrasser de la qui vient pour débarrasser de la Russie. Mais il m'a dit si on a adopté plan maintenant, nous qu'à souci. Il dit même tout et même président Biden dit tout, les États-Unis pas voulu la guerre. Il pas voulu la guerre et même genre l'autre nation pas voulu la guerre tout, mais son guerre que tout le monde voulait pour soutenir dans avec dignité non avec tête baissée. Gain un diplomate même qui fait connaître que le président Poutine capable de quitter la guerre seulement l'a réalisé que c'est une guerre que le pape gagne. Voilà. Et puis, il faut qu'il demande pour la Russie continuer à quimber et promesse ou bien encore accord que le déjeuner ensemble avec l'Ukraine et puis avec la Turquie pour être capable de permettre les céréales. Bah ça y est, soutien ukrainien aller l'autre côté parce que l'humanité menacée de problèmes alimentation, tout comme Haïti tout bon ouais gango et Haïti pas le problème là avec manger que t'es serré dans tout dépôt ça y est que pour peuple souverain pour entrer au pied donc certainement il y a toute ma croisée des œufs pour pas gon ouagan passer